bien, salut tout le monde, salut à tous, c'est parti. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Resident Evil Révélation 2 et non pas pour le Let's Play, pardon. On se retrouve pour faire les DLC, puisque si je me souviens bien, ils ne sont disponibles qu'en solo. Du coup je me suis dit pourquoi pas vous les faire. Donc je compte bien sûr faire le Let's Play, mais en coop avec Auron. Donc c'est pour ça que je vous propose pas maintenant. Attention du code d'association de compte. Je m'en bats les stacks. Comment on fait? Campagne. Tiens, on va faire une petite femme d'abord. Hop. J'avais commencé histoire de voir si ça fonctionnait, puisque je n'ai pas du tout lancé la campagne. Donc oui, let's go. Un défi désespéré pour les plus audacieux. Vous avez une chance de survivre. On va prendre de facile. Vous me connaissez, je suis le genre de gars qui flippe assez. Salut Natalia, je m'appelle Lodi, je suis ravie de te connaître. Je suis ravie moi aussi. Lodi? Où es-tu passé? Qu'est-ce qui t'arrive? Natalia? Oh, tu me ressembles beaucoup. Oh, mais je suis toi. Maintenant, dis-moi pourquoi tu es si bouleversée. Je ne trouve plus Lodi. C'est mon ami. Waouh, quelle coïncidence. J'ai une lettre de Lodi. Juste ici. Chère Natalia, pourquoi m'as-tu abandonnée? Tu ne m'aimes plus? Je suis si seule maintenant. Je suis si triste que je risque de m'arracher les yeux. Je ne l'ai pas abandonnée. Jamais! Tu devrais lui dire. On dirait un ourson au bord du suicide. Voyons si on peut retrouver la piste de Lodi. Alors, Natalia ne possède pas sa perception surnaturelle. Si vous êtes repéré par un ennemi, la mission est échouée. Dark Natalia peut se déplacer librement sans être vue des ennemis. Elle peut aussi sentir la présence des ennemis. Natalia progresse au niveau suivant lorsqu'elle trouve les lettres de Lodi. D'accord, ok. Alors, quelles sont les touches? D'accord, ok, ça c'est une touche. D'accord. Un monstre! Qu'est-ce qu'on fait? Il te tuera s'il te voit. Ne t'inquiète pas, je serai prudente. Ok. Fais très attention, on avance tout doucement, faut pas qu'ils me repèrent. Ils sont bien moches. Ils sont bien bien moches. Elle est où Dark Natalia? Elle est là. Attention! Il y en a un autre devant. Vraiment? Où? Je ne vois rien. Y pour changer de personnage. Je les vois. Tu veux que je te les montre?
Dark Natalia peut indiquer à Natalia la position d'un ennemi en le pointant. Cependant, Dark Natalia ne peut ouvrir les portes ou obtenir les clés. Obtenir les objets clés, pardon. Utiliser les habiletés de Dark Natalia pour aider Natalia à atteindre sa destination. C'est trop dangereux. Okay. Je n'ai pas peur. Ils ne peuvent rien faire. Alors, LB pour pointer. On peut en pointer qu'un seul à la fois, d'accord. Oh là là, lui. C'est quoi ce qu'ils ont à la jambe? Je sais pas trop ce qu'ils ont à la jambe, c'est chelou. Ok, alors en appuyant sur rond, on peut esquiver. Enfin, rond. En appuyant sur B, on peut esquiver. Petite sauvegarde. Oh putain, il y en a plein. Je trouve les lettres. Je trouve la lettre de l'ourson. Et qu'est-ce qu'ils ont aux jambes en plus là? Ils ont un truc aux jambes. Est-ce que ce serait une partie de la lettre? Est-ce que l'autre là-bas il en a? Est-ce que lui a quelque chose dans ses jambes? Oui, lui aussi il a quelque chose sur ses jambes. Donc c'est rien du tout. Ok. Ok, d'accord. On va se cacher là. Il reste là, lui. Ça a l'air d'être ça. Lui, il a l'air de rester ici. L'autre, par contre, je vais attendre. Il fait demi-tour, donc je vais attendre. C'est dégueulasse. Ok, on avance. Ok, nickel, c'est bon, on y va. Elle me suit, Dark Natalia, ou pas? Ouais, elle me suit en mode... Elle nous fait chier, celle-là. Attendez, on va prendre Dark Natalia, on va la faire avancer, parce que du coup, maintenant, on a besoin de l'autre. Mais du coup, qu'est-ce que je dois faire? Ah, faut que j'aille là. D'accord, faut que j'aille ici. Oh my fucking god, ok. Ok, d'accord, bon. Cette histoire, ça va être complexe, je pense. On va attendre qu'il revienne. Quand il repart, on va le suivre de très près. Enfin, on attend qu'il revienne. On attend qu'il repart. Comme ça, on va juste derrière, là-bas. À droite. On n'aura pas le temps, je pense, pour aller dans le trou. Du coup, autant se cacher ici. Ouais, de toute façon, on n'aurait pas eu le temps, je pense. D'aller complètement là-bas, on n'aurait pas eu le temps. Donc, on se cache là. On attend qu'il revienne. On attend qu'il repart. Et après, on go directement dans le trou. Oh, merde. Attention. Ok, nickel, c'est bon. Je suis pas fait repérer. On peut avancer tranquillement. Tu es vraiment moi? Je le suis. Mais comment est-ce possible? Ok, une petite sauvegarde, hein, comme dans... Tu dois te soucier comme dans Resident Evil 1. Allez, tout ce qu'il te reste. Ok, donc on prend. Hop, voilà. Ça, on met ça sur lui. Comme ça, on sait où est-ce qu'il est. Il avancera pas jusqu'à notre personne. Donc, on regarde un petit peu ce qu'il y a. Donc, ici, il va falloir que j'aille là. Il n'y a qu'un seul monstre. Alors, il va falloir faire gaffe.
Est-ce qu'il y a des trucs intéressants ici ou comment ça se passe? Putain, mais sans déconner quoi. Ils sont sérieux sans déconner? Attendez, parce que je sais plus où est-ce qu'il va. Je sais plus jusqu'où il va donc. Ok, go, on y va. Ok, c'est bon. On avance tout doucement. On va salir nos chaussures. Hein. Bon, c'est pas grave. On s'en sort plutôt pas trop mal, hein, j'ai envie de vous dire, on s'en sort pas trop mal. Bon, par contre, si on a que ça tout le long, ça risque de me saouler assez vite. Je pense pas qu'ils vont nous mettre que ça tout le long, mais... Mais bon, on sait jamais. C'est quoi cette lumière rouge, hein? Ok. Reste prêt. Oh putain, elle m'a fait flipper, elle. Con. Reste là où je peux te voir. Ok, donc si on va là, donc normalement on a un monstre quelque part. Hop, il y en aurait qu'un ici. Il y a l'air d'en avoir qu'un ici, donc il faut que je fasse tout le tour et que j'aille ici. Alors est-ce qu'il y aurait des trucs intéressants? Ah, il y a une échelle ici. D'accord. Donc il y aurait possibilité d'attirer le monstre quelque part. Même je pense qu'il faut attirer le monstre quelque part. Non. T'es sérieuse? Pourquoi t'es tombé comme ça là? Je pense qu'il faut attirer le monstre quelque part. Je pense. Alors, c'est parti, on y va. On a le monstre là-bas à gauche. Alors, à quoi ça nous sert? D'accord, ok, bon. Il est tourné dans quel sens d'ailleurs? Il est tourné dans le sens pour nous voir. Enfoiré. D'accord. Comme par hasard, il est tourné dans le sens pour nous voir. Alors, comment je vais faire? Hein? Putain, il y avait un chemin là, je suis con. Ah, il m'a vu? C'est tant pis. On va essayer. Bon, bah, il m'a vu. Je sais pas comment il a fait. Reste prêt. Reste là où je peux te voir. D'accord. Je sais pas trop comment il a fait. Reste là où je peux te voir. Bah ouais, à quoi ça sert ce truc? Pas très bonne idée ça. Est-ce que en montant là-haut avec elle... est-ce que l'on peut... est-ce qu'on peut l'attraper la petite fille ou pas? C'est ça que je me demande, est-ce qu'on peut attraper la petite fille de là-haut? Parce qu'ils mettent un truc, c'est pas pour rien, non? Regardez, il y a une échelle là-bas. C'est pas pour rien qu'ils ont mis une échelle ici. Ça, je sais pas comment on fait pour faire ce truc là. Alors, comment on peut faire? J'ai pas 36 000 touches en plus, donc ce qui est génial.
pas un petit truc à ramasser dans le coin? Petit objet intéressant. Mais il bougera pas, hein. J'ai cru qu'il me montrait un truc, mais non, c'est le A. Je peux pas aller là-haut, s'il vous plaît. Peut-être qu'en avançant un peu, on trouvera quelque chose. Non, d'accord, ok, bon. Donc faut que je trouve un moyen pour attirer le monstre ailleurs. Donc alors, comment je peux faire? Parce que j'ai que deux touches en fait, hein, au final. Je peux voir si je peux pas pousser le monstre. Il y a un truc à la jambe. Normalement, je pense qu'il devrait y avoir un moyen de monter là-haut. Hein. Je suis pas sûr. Hein. Mais ça devrait être possible. Attendez. Ça, honnêtement, on peut rien faire avec ça. J'ai une idée. Tac. Putain, t'es sérieux? Ah là là, j'adore passer 20 minutes sur un truc alors qu'en fait c'est hyper simple. Oula, par contre là ça risque d'être assez corsé. Faudra pas trop faire de bruit, petite. Heureusement que je te dis de pas trop faire de bruit. Hein. Là, elle peut sauter. Non, mais faut qu'elle prenne l'échelle. Salut, hein. Tu m'excuseras, mais pas que ça à faire. C'est bon, maintenant on peut courir. Tu te souviens de ce qui est arrivé sur cette île? Non, il y a juste eu quelque chose de grave. Il y en a encore plein ici. Oh putain. Alors, qu'est-ce qu'il y a par ici? Ah, de l'autre côté il y a la page, il y a la lettre. Donc comment on fait pour y aller de l'autre côté? On est obligé de passer par là, je pense. Donc on est obligé de passer par là. Et après je pense que on devrait être arrivé. Ouais. Ok, donc alors comment je pourrais passer? Normalement j'ai mis mon marqueur sur le gars, c'est bon. Bon déjà, on va essayer de voir pour se dépêcher parce que l'autre il va arriver. Voilà. Ensuite, on avance tout doucement. Je sais pas trop où je vais. J'espère que... D'accord, ok, il y a que dalle ici. Non mais va-t'en. Par où il se tourne.
J'espère qu'il fait pas le tour que je veux pas qu'il fasse. Ah putain, il se tourne dans le mauvais sens. GG. En espérant qu'il y a un checkpoint juste à côté. Je sais pas combien de temps il dure d'ailleurs ce chapitre. Hop, s'il te plaît, tu peux venir et aller mettre un marqueur sur le monsieur. Donc alors attendez, parce que du coup, si on suit le truc. Attendez, déjà on ramène petite. Petite qui va aller jusqu'ici. Voilà, petite, tu restes là. Et moi je vais là-bas. Donc si je viens là, il va me voir en tournant. Logiquement, à part si je monte là. Comme ça j'avance. Ok, j'ai trouvé. J'ai trouvé. Ce que je vais faire, c'est que je vais, à la place de longer par la droite, je vais longer par la gauche. Comme ça, quand il va repartir, se retourner, il me verra pas, quoi, du coup. Allez, on attend, du coup. On attend qu'il arrive. Oh, elle prie. Ah non, je sais pas trop ce qu'elle fait. Attendez, il s'arrête quand là? Oh putain, t'es sérieux? C'est pas possible, il m'a pas vu normalement. Donc ok, donc je retiens qu'ici je peux pas y aller, je suis obligé d'aller dans le petit coin que j'avais remarqué. Quoique, je suis sûr qu'il y aurait moyen que j'y aille. Je le rattrape. Il y a moyen que j'aille à gauche tout de suite. Incroyable. C'est incroyable. Pourquoi est-ce qu'il s'est retourné de ce sens? Là, je ne comprends pas. Est-ce que c'est aléatoire? Si là je retourne à gauche, est-ce qu'il va se retourner à gauche ou pas? On va bien voir, on va faire le test. Surtout, il se retourne en fonction de là où on est. Et si je l'attendais là, comme ça il passe à côté. Il passe à côté et hop, je cours. Enfin, je cours, je marche. Il arrive. J'espère qu'il va pas me voir. Bon, alors, du coup, c'est assez serré. Je sais plus trop où est-ce qu'il s'arrête. Nickel. C'est bon. On a réussi. Voilà, faut faire gaffe parce que s'il nous voit. C'est une lettre. Prendre la lettre, on est mort. C'est de la part de Lottie. Voyons voir si on peut la récupérer. On va attendre un peu que le mec y avance. Lottie, où es-tu?
Continuer. Chère Natalia, je suis coincée dans un tunnel sous le village. Je ne sens plus mes jambes. Je vais mourir. Pourquoi tu me détestes comme ça? J'ai un mauvais pressentiment. Tu devrais peut-être l'abandonner à son sort. Jamais! Elle a toujours été là pour moi. J'irai la sauver. J'étais seule. Et enfin, il y avait quelqu'un avec moi. Tu dois oublier le passé. Concentre-toi sur l'avenir. Eh ben écoutez les amis, on va s'arrêter là pour ce premier épisode. J'espère que ça vous aura plu. On va le faire en plusieurs épisodes. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, moi je vous dis portez-vous bien. Allez, tchuss tout le monde.